نسيتي ليام لي كانت هذا زمان نية في كل مكان ايام الفيس ذو الوالكمان وكان الحشمة كلو قار وكان بداية سلام وكان عرجار على الجار كان عرجار على الجار. Je suis Ed, je suis là pour un projet avec Jisr. Ce mur-là, il est intéressant et assez spécial parce qu'il est au milieu des immeubles. C'est vraiment très cool de travailler un mur qui est caché, mais aussi visible pour les gens qui habitent ici. J'ai passé 4 jours, bien 5 jours de travail. C'était une vraie belle période. 15 jours, il était avec plein de joie, puisque je travaillais pour ce mur-là, je travaillais avec beaucoup de couleurs. C'était comme un jeu, en fait. Je commençais à tracer, et après, et c'était que de la joie, parce que tu commences à remplir une partie là, et tu as un rendu assez intéressant. Et même parfois, il y a des voisins qui passent et ils font le coucou. C'est-à-dire que tu as cette interaction spéciale. C'est un marché au Maroc, marché où tu trouves des vêtements, c'est-à-dire seconde main et qui arrivent, qui viennent de l'Europe, forcément de l'Espagne ou bien de l'Italie. Et à chaque fois, tu vois cette masse de vêtements, c'est comme un tableau abstrait avec plein de couleurs, avec diversité de motifs et tout. Et moi, je suis passionné par l'art et j'adore. C'est juste, j'adore. Et cette image a resté dans la tête. J'ai choisi cette thématique-là puisqu'elle représente un lien qui est aléatoire en fait, mais qui se crée entre les gens de Barcelone ou bien de l'Espagne et les gens marocains. Assez intéressante avec quelqu'un qui habite ici de l'Espagne et toi tu finis cette histoire au Maroc. L'autre partie c'est les cartes postales. Je vais travailler sur une partie qui représente les monuments ou bien les icônes du Casablanca et l'autre partie c'est les icônes de Barcelone. J'ai vu pas mal et je dois créer des illustrations qui montre ou bien qui illustre ça. Et le format, ça va être comme un petit bouquin où tu trouves toutes ces cartes postales qui rassemblent les deux, le mur et les cartes postales. Et je suis ravi d'être là et de partager ce que je sais. Je peux dire que le seul souvenir que je vais ramener avec moi, c'est avoir la bouche ouverte. Parce que j'ai vu pas mal de choses, c'est trop. C'est-à-dire, pour mes yeux, c'est beaucoup. C'est-à-dire, j'ai vu pas mal de choses et 10 jours, c'est pas suffisant du tout. Ce qui est vraiment spécial, c'est comment les gens ils vivent entre eux, ils partagent, tu vois, ils expriment, ou bien ils expriment l'amour. Tu vois l'amour, la beauté dans toutes les rues. C'est assez intéressant. Je dis un grand bravo pour l'équipe parce qu'ils ont choisi cette période, surtout au quartier. Il y a pas mal de trucs qui se passent. C'est-à-dire que tu vas pas t'ennuyer ici. Ça, c'est sûr. C'est bon? Et j'aurais une seule truc à rajouter, c'est un grand merci à l'équipe de Jisr, à dire tout le monde. Je vais pas dire le nom parce que je vais sûrement oublier, mais Marta, Violeta, Xavi et tout le monde qui a aidé pour que ce projet soit réalisable. Et Salah, bien sûr. Et même le travail, il était super super facile. Vous avez facilité le job pour moi et c'est vraiment cool. Je suis sûr que je reviens pour vous embêter un peu. Mais ouais, c'était une expérience géniale et je vous remercie. Shukran, shukran. Salam, can I jar?